Bonsoir à tous, ici Arcanet MC, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien et bienvenue sur Super Mario Odyssey, les boys, dans cet épisode numéro 23 en stream. Et nous sommes sur YouTube cette fois-ci pour changer un petit peu de Twitch, puisque je sais très bien que sur Twitch il n'y a jamais personne alors que sur YouTube il y a souvent du monde. Donc nous sommes sur YouTube, les boys, donc bienvenue à tous dans ce nouveau stream sur Super Mario Odyssey où nous allons collecter toutes les lunes, alors bien évidemment pas en un seul stream, nous allons le faire en plusieurs streams, je pense que vous en doutez un petit peu. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un stream pour chaque monde, en complément, bien évidemment, donc de peut-être des vidéos à part, des astuces, je ne sais pas s'il y aura des astuces, ou etc. Mais en tout cas, il y aura un stream pour chaque monde, et je pense que le mieux, c'est de faire comme ça, parce que si j'enchaîne sur d'autres mondes, etc., mais que je les bâcle, le machin, que je ne les fais pas tout de suite en entier, moi, vu que je suis un petit peu strict au niveau du... Au niveau de mon organisation, etc., de la qualité, eh ben je préfère faire comme ça, dans le sens où on va faire que un monde par monde, en fait, monde par monde. Et donc, du coup, voilà. Alors, on va le faire avec le, bien évidemment, guide collector que vous ne voyez pas. Alors, vous le verrez peut-être pas pendant ce stream-là, mais vous le verrez peut-être dans le prochain. Tout dépend de vous. Si vous voulez que je mette la cam dans le prochain épisode en stream, bien évidemment, nous connecterons donc toutes les lunes. Ou si vous voulez que je le fasse sans cam, alors dans ce cas, vous ne verrez pas quand est-ce que j'utilise le guide collector ou pas. Hein. Vous ne pouvez pas savoir si je triche ou pas. Alors rassurez-vous, je vais faire en sorte d'utiliser un minimum le guide collector, hein, dans le sens où je vais éviter de l'utiliser trop. Parce que nous avons notre ami Toad qui peut nous dévoiler donc où se trouvent toutes les lunes. Et oui, il faut dépenser un certain nombre de pièces d'or pour pouvoir afficher finalement toutes les lunes. Et donc ça, c'est un petit truc assez sympa que nous offre le jeu, dans le sens où on n'est pas obligé d'avoir un guide collector pour trouver toutes les lunes. Donc du coup, moi je l'ai quand même, le guide collector, pour quand même m'aider si jamais je n'arrive vraiment pas à trouver, même si on a un indice. Et donc du coup, voilà. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux qui ont rejoint, bien évidemment, dans le chat. Donc salut à Spix, salut à Sun, la personne, je ne sais pas. Et salut à Sacha, Sacha que je connais, bien évidemment, en vrai. Donc bienvenue à toi. Alors, c'est parti les boys, reprendre et on va découvrir. Bah là, on s'est arrêté la dernière fois parce que ça fait un moment que je n'ai plus touché au jeu. Depuis l'épisode 22, hein, ça date un petit peu d'il y a un mois, je crois. Ah oui, nous étions restés ici, ouais, on avait fait le truc, l'ascension de la tour qui est juste là-bas. Ok. Ah bah écoutez les boys, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au monde des chapeaux. Oh là là, que ça fait bizarre. Oh là là, allez, attendez. Oh ouais, là, d'accord. Je crois qu'il faut faire comme ça. Ouais, voilà, c'est bon. Nickel, super. Ah, oh, les boys, est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver finalement sur ce jeu? C'est tellement cool. Hop, 720p. Je veux, voilà. Oui, allons-y. Je veux changer de monde, en fait. Je veux juste changer de monde. Allez, on retourne au pays des chapeaux. Ah, Royaume Champignon, c'est en premier, d'accord, ok. Allez, pays des chapeaux, c'est parti. Et on espère bien évidemment que finalement il n'y aura pas de problème pendant ce stream, mais normalement tout devrait aller. Je sais bien évidemment que YouTube déconne beaucoup, hein, au niveau des streams. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Ouais, je me suis dit sur YouTube c'est mieux que de le faire sur Twitch, les streams sur Super Mario Odyssey, après le reste ça peut passer. Alors on va passer, on va pas regarder à chaque fois la cinématique, hein, quand on change de monde, ça ferait complètement con. Mais donc nous voilà de retour au pays des chapeaux, et surtout hein, pouvoir savoir ce que c'est que ces fameux cubes à la con qu'on devait défoncer quand on contrôlait Bowser. Et oui, certainement qu'on va devoir avoir la réponse. Regarde ça. Ah bah oui, regardez. Je sens comme une grande concentration d'énergie, allons voir. Tiens, on va enfin avoir la réponse sur ce truc à la con. Alors attendez, hop, il faut juste que je reprenne les... yes. Alors attendez, par contre comment je fais pour y aller en fait? Je pense qu'il faut que je prenne un Goomba volant. Ouais, on dirait bien. Comment puis-je avoir un Goomba volant? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un Goomba volant. Bah tiens, regarde, il y en a un là. Oh, fuck, je suis tombé. Ah, ça commence bien. Ah, ça commence même... Oh, putain, j'ai plus beaucoup de pièces, merde. Fuck, va falloir que je joue au casino. Ah, ah c'est la merde. Bon, attends, déjà.
Le truc est juste là en dessous. Ah, mais attendez, il y en a un là. Nickel. Voilà. C'est comme ça qu'on fait les boys. Ouais. Allez, on se dirige vers le petit cube là-bas. Et on va enfin savoir ce que c'est que ce truc. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une attaque rodée au-dessus? Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Qu'est-ce que ça fait alors, ce truc? Qu'est-ce que c'est? Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Tiens. D'accord, donc pour tout ça pour qu'il se barre. Ça fait forcément quelque chose. Et les trucs qui tombent. Qu'est-ce que c'est? Ça renferme des lunes? Qu'est-ce que c'est? Ça a projeté plein. Oh! Ça a projeté plein de lunes partout, ce drôle de rocher. T'es probablement une météorite tombée de la lune. Oh! D'accord, et du coup, ça me les affiche sur la. Ah ok, ça marche, d'accord, pas de problème, ok. Ah ben on sait enfin à quoi ça sert ces trucs. Oh par contre j'ai vu en dessous de la map là. Y'a une lune là-bas, je vais la chercher. C'est énorme. Oh j'en vois une là-haut. Yeah. Ah c'est trop fort. Ah tu veux pas remonter? Tu veux pas monter plus haut là? Bon attendez, il y a une note de musique là, on va le faire, ça c'est aussi une lune ça. Tac, 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 tac. En tout cas, il y a des panneaux avec des têtes de mort, ça sent pas bon ce truc. Hein. Ok, faut aller là. Voilà, voilà. Yes! Bon, ça c'est des lunes faciles, mais après je pense qu'il y en a quand même qui sont bien cachées. Hein. Notamment une que j'ai bien vue là-bas. Yeah! Bon bah c'est parti. Oh regardez lui là. Comment je fais toi pour te choper là? Toi t'as une lune là. Comment je fais? Attends tu vas pas me dire quand même qu'il faut que je... Ah non fallait juste que je le touche. Ok. Ah c'est énorme. Bam. Allez, on va faire la lune qui est là-haut. Hop là. Et après, on va aussi chercher... Ah oui, parce que ça compte aussi. Hein. Il faudra aussi qu'on cherche les... Il faudra aussi qu'on cherche les... Vous savez, les... bah là, les petites pièces rouges, là. Attends, je... Oh là, c'est bon. Les, pas les petites pièces rouges, les petites pièces violettes, là, à chaque fois qu'ils sont en rapport avec les mondes. Donc du coup, on ira chercher tout ça. Yeah. Du coup, attendez voir, parce que je crois que là, il y a un truc ici. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je crois que je l'ai déjà fait, non? Oh non, je l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a souvent deux lunes là-dedans. Je l'ai vu. Ah putain, je suis déjà tombé. Oh merde. Eh, vous savez ce qu'on va faire? Après ça, on va tout de suite aller voir Toad, histoire de pas bouffer toutes nos pièces. Comme ça, on les aura utilisées. Attendez, parce que ça, c'est chaud à contrôler, ce truc-là. Hein. Yes, je l'ai eu. Vous doutez bien que celle-là, c'est la première. Enfin, la deuxième, plutôt, mais... Oh, 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 oh. Allez, doucement, doucement, doucement. Non, fallait que je chope les anneaux. On va pas risquer notre vie pour des pièces. Ah, t'es sérieux, j'en ai eu que quelques-uns sur les je sais pas combien. Nana Zolo, yo! Ça va bien avec ton pseudo, c'est quoi? Nana Zolo, yo! Nana Zolo, yo! Nana Zolo, yo! Allez! Tiens, qu'est-ce qui se cache là derrière? Il y a plein de petites pièces en fait que j'avais pas récupérées hein, en fait, hein, c'est assez impressionnant. Du coup... alors attendez voir, parce que normalement on est censé voir... Alors, les lunes, ok, donc il y en aurait une qui serait par là. Donc on va se diriger par là. Ouais. Je la vois. Hop. Oh.
Elle va pas tomber, hein. Nickel. Bam. Hop là, ici nous avons un petit monde caché que nous n'avons pas fait, bien évidemment. Hop, ça fait une. Oh, à tous les coups, j'ai besoin de la grenouille, hein. Où y aurait-il une lune? Ah, ok, j'en vois une là-haut. Alors, tu sais quoi? Fuck! Oh! Où est-ce qu'il y en aurait une autre? Je pense par là-bas. Oh! 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 Tac! Ah bah celui-là on va les récupérer, tiens, ça s'évitera de retourner dedans. Allez, récupère-la. Allez, plus que 40 petites pièces là. Tiens, j'envoie une là-bas, regarde. Hop. Merde. Oh. Ah c'est chiant hein, pour sauter là-haut. Croyez pas, mais c'est dur. Mais putain. Bah attendez, vous savez quoi? Ouais! Ah, c'est dur, hein! C'est typique le jeu de plateforme, tu sais. Oh! Ok. Tranquilo. Hop là! La pièce suivante. Voilà, elle est là. Allez, il manque une dernière petite lune. Je ne sais pas où elle est. Comment je fais pour. Normalement il est censé. Ah, je la vois, je la vois, je la vois. C'est bon, je l'ai eu. Bon, normalement il est censé y en avoir une deuxième, mais je sais pas où elle est. Hein. Il va falloir qu'on aille la chercher tout en haut, je pense. Grâce à ceci. Attends, viens une fois. Voilà. Et ensuite tu viens, tu fais. Bam! Ah, oh, fuck. J'ai vraiment besoin d'une grenouille. Hein. On ne pas beaucoup. MDR. On ne pas beaucoup. Défaut que t'as oublié un mot, mais je crois que j'ai pas trop compris en fait. Il me semble que j'ai pas trop compris. Oh. Oh. Ouf. Ouais. Ouais. Allez, vas-y. Ah, vous voyez qu'il y a une lune là-haut, je le savais. Non, il est retombé. Ah, putain, c'est casse-couille. En fait, moi je pense qu'il faut que j'aille par là-bas plutôt. Ah putain! Ah, c'est relou! Allez, vas-y. Hop! Hop! Non, on est d'accord que là on peut pas y atteindre. Peut-être par là! Non, j'irai plus. Ok. Non, 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 non. Ah putain, mais c'est relou. Je peux avoir ton code ami sur Switch STP. Ah bah écoute, je le donnerai à la fin du stream. Mais pas pour l'instant. Ouf. Ok, c'est bon, on y est. Voilà, c'était pas compliqué. Ah, dis donc. Yeah. Et du coup, on peut. Oh. Ah, ça aurait été trop fort que je tombe sur la lune, tu sais. Tada, tain, bam. Et on peut repartir. Alors, il n'y en a pas beaucoup, normalement, dans ce monde-là. Hein. Là où il y en a le plus, c'est dans le monde de la du sable.
Donc là, peut-être que ça se fera en plusieurs streams, je sais pas, on verra. Ensuite, il y en aurait une qui serait par là. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne voulais absolument pas cliquer. Ok. Ouais, par là, ok. Ah d'accord, c'est lui là. Il veut pas me laisser rentrer. Cette lune est sous ma protection. Rien ni personne ne pourra la prendre. Ah. C'est là que je sais pas trop comment on fait. Alors du coup, je vais ouvrir le bouquin collector et je vais regarder. Hop, 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 hop. Oh, le changement de page ultra rapide. Alors, les lunes. Les lunes, les lunes, les lunes. Ouais. Normalement, il est censé y avoir une carte de lune. Alors, attends. Certains vont la trouver par là. Non, c'est pas là. Hein. C'est pas ici, c'est pas ici. Pays des chapeaux. Donc là, on y est. Ouais. Ok. Ah, les lunes, voilà, c'est celle-là. Donc là, on est en train de faire celle-là. Donc celle-là, alors c'est soit la 28, soit la 14. Mais je dirais que c'est la 28. À moins que... Non, c'est la... celle-là, c'est la 14. Ça fait pas partie du truc. Ok. Donc si c'est la 14, il faut que j'aille chercher... Voilà, ici. 14. Voilà, c'est lui. Retournez à la place centrale lorsque les chapiformes ont récupéré leur maison et parlez aux chapiformes de la maison au sud-est. Il dit qu'il garde une lune et qu'il n'a peur de rien. Mettez son courage à l'épreuve en revenant avec un Paragumba. Chapimorphosé le plus proche est sur les marches. D'accord. Il faut que je cherche un Paragumba. Alors allons le chercher. Voilà. Je me doutais bien qu'il fallait faire un truc dans ce genre là. Hein. Et voilà, je récupère ta lune. Ah, trop fort. Trop, trop fort. Et donc nous, c'est la 28 qu'on cherche. Et ça doit être celle-là. Oh, fuck. Ah, j'ai foiré mon coup, mec. Ah, laisse tomber. Ouais. Donc, il faut vraiment pas que je refoire mon coup parce que sinon ça va faire chier. Le truc, c'est que j'ai pas mon chapeau, alors il faut que je fasse gaffe. C'est bon, je l'ai eu. Yes. Ok. Maintenant. Hop. Maintenant, il nous manquerait. On va faire celle-là. Ah, attendez, faut que je regarde bien où ça se dirige. Là-bas. Ok. Ah, mais je la vois, elle est là-bas. Je la vois. Allons-y gaiement. Ah, mais là, il me faut un Paragumba, non? Ouais, bah oui, forcément. Oh, viens là, petit lapin! Toi, t'as une lune pour moi! Viens là, viens là, viens là, viens là! Yes! Nickel, merci! Haha! Rien ne résiste à Mario. Hop, j'ai mon Paragumba. On va se diriger par là-bas. On est juste à la bonne hauteur, c'est cool. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac.
Yes! Voilà. Oh, il y a une lune là-haut. Oh shit, mais comment je fais pour la choper? Ah, il faut une grenouille. Ok. Donc on va chercher une grenouille. Il y en a une là. Bon, ça va, pour l'instant, on galère pas trop, hein. Voilà. Attendez voir, elle est par où? Elle est par là. Ok. Donc là, normalement, je suis censé faire. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Bam! Hop, ça c'est bon. Du coup, ben, apparemment, il n'y en a plus. Il y en aurait une qui est juste ici. Ah, je la vois, elle est là. Je la vois. On va rechercher un Paragoomba. Hop, hop. Tac, 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 tac. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Attends, tu sais quoi, on va te claquer, voilà. Et ensuite, tu me fais ça. Yes! Voilà, ça nous fait une ligne de plus. Ensuite, il y en aurait qui seraient là-bas, sur la chapitour. Allons à la chapitour alors. Alors, je ne sais pas si elles sont dedans ou à l'extérieur. Il y en aurait une derrière là. Ah bah elle est en dessous. Ok, alors celle-là, faut pas que je la loupe. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, mon petit Jackie. Tu peux pas te téléporter parce que prout. Voilà. Alors du coup, retéléporte-toi ici. Ah, ça va, on avance bien. Alors, est-ce qu'elle est en bas ou est-ce que le... Ah! Ça, je crois savoir ce que c'est, ça. Envie de courir avec les rois de la course. Quand on arrive dans un pays, on le traverse au pas de course. Tu veux venir avec nous, petit gars? Si tu gagnes, je te donnerai un prix. C'est ce que je voulais entendre. Il n'y a qu'une règle, elle est très simple. Pour gagner, il faut arriver en premier. La ligne d'arrivée, c'est là où il y a une colonne de lumière, bien reçu. Alors, allons-y. C'est parti, les boys! Oh, fuck. Course coupa. Parti. Oh merde. C'est bon. Non. Oh putain, mais j'ai fait le con! J'aime trop ce jeu! Tu m'étonnes qu'il est bien, putain! Allez, on est presque à mon année de naissance. Ah, je retente le coup. Ah, je me suis pété la gueule comme un connard, j'ai voulu prendre un raccourci et évidemment, je me suis fait bouffer la gueule. Bon, c'est pas grave. Ah putain! Voilà, hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Yes, c'est bon, on a réussi. Ah, tu as combien de lunes au total? Je crois que j'en ai dans les 255, je crois. J'en ai pas beaucoup, hein. Enfin, si, c'est beaucoup, mais je veux dire, voilà, sur les 999 qu'il y a, voilà, ça pique. Mais quelle vitesse, bravo, petit gars, tiens, tu repars avec une lune.
Yeah! On va lui reparler pour voir s'il n'y a pas une autre course à faire. Hey les gars, on a un nouveau roi de la course. J'ai préparé un nouveau prix, petit gars, alors il faut qu'on remette ça. C'est ce que je voulais entendre. Bah voilà, il y a une deuxième course à faire. Ok, bon, bah on le sait maintenant. Certainement que ça. Ah ouais, d'accord, donc c'est niveau expert. Experte, experte! Oh putain, mais il est trop chaud, hein. Non! Putain, je me suis nouveau foiré, fait chier, mec! Ouais, il est putain de rapide le coupa doré là! Ah, putain de merde! Faut que j'ouvre la fenêtre. Non, non, mais non, mais. Non, 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 tu m'auras pas. C'est bon! Oh! T'as secoué la manette comme ça, mec, c'est ouf! T'as tellement l'impression d'être pris pour un con! Ah putain! Ah, c'est bon, on l'a eu! Mais quelle vitesse! Bravo, petit gars! Tiens, tu repars avec une lune! Ah, c'est ouf! Bon, on va voir s'il y a Insane après Expert, mais je pense pas. Je n'ai plus de prix en réserve, mais tu peux toujours essayer pour la beauté de la course. Laisse tomber. Ok, ça marche. On l'a fait. Il y a une lune par là. Tiens. Il y aurait une lune là-bas. Sauf que moi, je vois pas de lune. Elle est en bas. What the fuck? Il peut pas y avoir de lune là-bas. Je regarde dans la bonne direction. Ok, bon bah on va regarder. Donc c'est la 21. 21, 21. Voler jusqu'au bout de la brume. D'accord. Sauter du rebord de la chapiteau près du Koopa pour atterrir sur le rebord derrière le côté nord de la tour. Chapimorphoser le Paragomba sur place et voler vers la brume au nord, tour vers la lueur diffuse d'une lune. Utilise la carte en jeu pour situer précisément cette lune bien cachée. C'est bien celle-là au moins? Est-ce que c'est bien celle-là? Bah oui, hein. D'accord, donc il faut prendre un Paragomba apparemment. Dévisionnage en cours, 8K sub. Ah bah oui, effectivement, Happy, je suis. Mais je suis quand même Happy, hein, malheureusement, c'est le délire, quoi. Je reste Happy tout de même. Du coup, alors attends. Là, en bas, il est censé y avoir. Bon, attends, déjà, faudrait qu'on cherche un Paragomba. Ah bah tiens, il y a des trucs ici. Bon, attendez, vous savez quoi? Avant d'aller chercher cette lune, on va d'abord faire ce truc-là. On va d'abord faire ce niveau-là. J'ai vu un truc probablement stupide, mais regarde la lune. Celle du ciel, hein? D'accord, je ne sais pas, on va voir ça juste après. Ok. Ok. Oh. Voilà. Oh. Oh. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Il faut que je fasse gaffe, pas qu'il y ait une lune qui est cachée. Ah, obligé, il y en a une ici, non? Hop, hop. Oh, ça sent la lune.
sais pas où elle est la deuxième. Hein. Où est-elle là? Ah, elle serait ici. Je crois que j'en ai eu une. Mais la deuxième, elle serait où? Ça, c'est le tuyau de sortie. C'était le tuyau de sortie. D'accord. Attends voir. Si je prends là... Pour la lune, je vais voir sur mon Mario et t'aider. Oh, tu n'es pas obligé, hein. J'ai un guide collector, donc... Bon, après, si tu veux m'aider, il n'y a pas de problème, hein. Je suis toujours preneur. Je mange tous les jours. Arrêtez les jeux de mots SVP, je mange tous les jours. Mais quelle idée de s'appeler Happy aussi. Alors attends voir, fais voir une fois. 04, 0, alors 15. Voilà, c'est celle-là. Ah, caché dans les blocs à pousser. Suivez les conseils de la lune numéro 8 jusqu'à atteindre le niveau supérieur des blocs à pousser. Je retourne dedans parce qu'apparemment elle serait planquée dans un bloc caché. Je crois qu'on n'a pas encore récupéré toutes les lunes ici, mais justement. D'après l'image, on dirait que... Ouais, c'est bon, je sais où elle est. Je sais où elle est. Parce que j'ai une image, donc du coup je sais à peu près où elle est. Ah voilà, je me suis pété la gueule. Tu l'as loupé. Et la plateforme, il y a un trou. Non mais t'inquiète, je vais y aller. C'est juste que là, j'ai foiré mon coup comme un con. T'inquiète pas, elle est là-haut. Oh shit. Alors elle serait par là je crois, non? Ouais, regardez, elle est là. Ah, la vicieuse. La petite vicieuse. Oh fuck. Hop. Pour ça, ça me fait des petites pièces en plus. Nous sommes en 2020, les boys, puisque nous avons 2020 pièces. Allez, c'est reparti. Du coup, il nous faudrait un Paragoomba pour pouvoir aller dans la brume qui est... Ah oui, regardez, elle est là-bas, je la vois. Attendez, à moins que... Je la vois, elle est juste là en bas. Vous la voyez, hein, je suis pas fou, hein. Il y a un Paragoomba juste en bas, là. Ah tiens, faudra qu'on retourne ici. Vous savez quoi, on va aller là d'abord. Oh oh, ça se fait avec le Paragoomba ça. Ah oui d'accord, ok, il y a des grosses vagues de... Le truc vénéneux là. Oh. Attendez, parce qu'il est censé y avoir une deuxième lune. Où est la deuxième lune? À vrai dire, je ne sais pas. Ah, attendez, là-haut, je suis sûr qu'on peut y aller. Grâce à toi, je découvre des lunes, merci. Ah, t'inquiète pas, avec le guide collector, on va trouver toutes les lunes du jeu. Hein. Est-ce que... Non, tu veux pas... Est-ce que c'est... Attends, là, toi.
Je suis sûr qu'il y a une deuxième lune, mais je sais pas où elle est. Elle doit certainement être là-haut. Il doit peut-être y avoir un bloc caché là, non? Y a pas un bloc caché là? Bon, très bien. Guide collector. Guide collector. Ouais. Alors là, on passe. Alors. Oui, ça, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Traverser la marée. Ok, d'accord, d'accord. Alors, suivez les instructions de la lune numéro 6 et traversez la marée de poison jusqu'au palier blanc. Continuez d'utiliser le paragumba. Attendez qu'une marée de poison passe. Puis laissez-vous tomber sur le côté. Il y a un trou dans la clôture. D'accord, il y a un trou dans la clôture. Ah oui, je la vois. Ah, ah. D'accord, c'était comme ça qu'on devait y aller. Pourquoi n'ai-je pas réfléchi? Ok. Hop. Et voilà. La deuxième lune est là en dessous. Il faut passer en dessous. Eh oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, l'ami. Par contre, comment ressortir, je ne sais point. On va y aller on va y aller comme ça, simplement. Voilà, nickel. Est-ce qu'on ressort du même côté? Oui, on ressort du même côté, donc du coup, je peux reprendre le paragumba qui est là. Et me diriger vers la petite lueur qui est là-bas. Bonjour la lune. Yes. Est-ce que je peux remonter? Ah, c'est bon. Ok, nickel. Du coup, on n'a plus d'indices. On a trouvé tous les indices. Donc du coup, maintenant, ce que je vous propose, les boys, c'est qu'on se téléporte ici, qu'on aille parler à Toad et qu'on achète tous les indices, les derniers indices qui nous restent, finalement. Et donc, voilà. Donc, rassurez-vous, si je termine le monde assez rapidement, au niveau où il faut trouver toutes les lunes, j'enchaînerai sur l'autre, s'il n'est pas très long. On va voir, on va voir. Ou alors ce que je ferais, c'est que je couperais le stream, mais j'en redémarrerai tout de suite un autre après, donc restez connectés. Je pense que j'ai pu se faire comme ça en fait, histoire de faire des épisodes propres et tout. Ouais, on va faire comme ça, je pense, c'est peut-être mieux. Toad, où est-ce qu'il est? Non, il est là-bas, pourquoi je me déplace par là? Il est là-bas, non, le Toad. Le truc, c'est qu'en vous parlant, je fais un petit peu de la merde. Ah, trop facile avec un guide. Moi, je dois déjà avoir Zelda avant, mais lâcher 50€ tout de suite, je peux pas. Ah, tu m'étonnes. Ok, bah lui, je l'ai eu vraiment easy, hein. Allez, toi. Allez, vas-y, faut dépenser 50 pièces. Merci. Oh, s'il faut vraiment à chaque fois attendre qu'il est. Ah, oh, ça doit être tellement long. J'achète. J'achète. Obligé, il y en a un tout au sommet de la chapitour. Voyez à quoi sert maintenant les pièces d'or. Pas seulement à acheter des costumes, mais ça sert aussi à avoir les indices pour les lunes. Les lunes sont d'autant plus importantes pour le 100%, il faut le savoir. Ah, c'est long, hein. Tudit, tudit. Je ne trouve plus l'indice. Ah, d'accord. Donc là, on a tous les indices. Donc il y aurait... Là-bas, ok, très bien. Ah, d'accord, il faut une grenouille. Petite grenouille. Viens à moi. Voilà. Viens à moi, petite grenouille. Non, 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 non. Ah, putain.
Mais c'est pas vrai! Je lui dis de sauter de l'autre côté, elle tombe dans le vide, espèce de... Voilà. Allez, nickel, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on y va. Alors, faire des grands sauts alors si tu préfères. Voilà. Hop. Ah, d'accord, ok, ça marche. Pas de problème. Non, tombe pas. Ah, putain. Voilà. Oh, on l'a eu sans déconner. Maintenant, il y en aurait une qui serait... D'accord. On va se téléporter, hein, carrément, on va pas se faire chier. Hop. Je bois un coup de coca. Pour faire le 100%, il faudrait 999 lunes à avoir. Mais environ 800 lunes totales, le reste doit être acheté avec tes pièces. Oh, t'inquiète, c'est pas grave ça. On va au casino et c'est vite fait. Voilà. Alors, il y aurait une lune pile poil là où je suis. Certainement qu'il faut que je l'achète. Bah écoutez, vous savez quoi, on va les acheter. Je pense qu'il faut aller parler à lui. Ah, on peut acheter le gentleman. J'achète. Je me change. J'achète. Je me change. Je peux prendre encore deux trucs comme ça. Voilà. Eh, nickel. Oh, on est classe comme ça. Allez, vas-y. Achète-moi plein de lunes. J'en achète 10, ça me fait 1000. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il va me falloir masse pièces. Là, je vais pouvoir en acheter que 6. Ah, tu vas pas me faire l'animation quand même. Yeah! C'est quoi ton code, Arca? Je le donnerai à la fin du stream, le code. Je n'ai bientôt plus de pièces. Il va falloir qu'on joue au casino, hein. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on ira vite se téléporter au à New Donk City. Là, je peux refermer la fenêtre parce que j'ai plus tellement chaud. Ah, c'est ça quand on fait un feu de cheminée, hein. Ah. Attendez, 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 parce que là j'ai un petit rototo qui se prépare. Abdullah! Voilà, ça c'est fait. Hop. Je crois qu'on peut en prendre encore deux. Et là on va être à sec, hein. Il va falloir vraiment qu'on fasse un petit tour à New Donk City. Yeah! La dernière. Yes. Liste. Ok. Ouais, ok. Il nous en reste plus beaucoup à acheter. On va faire la 3 et la 4, là, vite fait. Ah, on les a toutes achetées. Attendez, c'était vraiment la dernière qu'on pouvait acheter? Ah, non, en fait... En fait, je sais pas si ça utilise les, si ça nous enlève les indices une fois qu'on les achète ou pas. Je sais pas. Là, je crois que j'ai vu un truc qui brille là. Il y en a pas un qui brille là?
Je crois qu'il y a une lune qu'on peut avoir en regardant de ces trucs qui volent là. Ah si, regardez, lui, il a un truc différent. Ah, voilà. Je me disais bien. MDR, t'es un porc. Ah, tu m'étonnes, mec. Bon, alors, où est-ce qu'il va me faire téléporter? Enfin, là... Où est-ce qu'il va me l'emmener, ce truc? Ah, nickel. Voilà, c'est bon. Yeah! Il y en aurait une qui serait juste ici. Ok, là-dessus. Faut que je te parle, c'est ça? Ah, salut Capi, ça fait un bail. Dis-moi, tu te souviens de ce trésor dont tu m'avais parlé? Tu sais, tu m'avais dit que je pourrais le garder si je le trouvais. Je sais pas où tu l'as planqué, mais où est-ce que je l'ai mis déjà? Sous cette pile de caisses? Non. Une pile de caisses. Non, peut-être dans la petite allée qui longe le smog alors. La petite allée qui longe le smog. Non, c'était pas par là. Une petite allée qui longe le smog. Tu parles de ça? Bah non. Faut que je trouve une petite allée. Où puis-je trouver une petite allée? Là? Ici? Non. Ah, peut-être sur le pont binocle. Ah, le pont. Ça me parle déjà un peu plus, ça. Donc le pont binocle, ça va certainement être là, non? Hop. Je crois que ce n'était pas par ici. Ok, donc c'est pas ce pont-là. Aïe. Le pont binocle, c'est ça, non? Non plus. Sur la colline la plus haute alors. Voilà, la colline la plus haute, c'est celle-là. Ah, je me souviens, j'ai avancé d'ici en direction de la lune. J'ai avancé d'ici en direction de la lune. On chauffe, je sens qu'on chauffe. Ah, ça, il y a un truc qui vibre. Ah, la voilà ma précieuse lune. Trésor oublié. Salut tout le monde, bonne année. Et oui, effectivement, bonne année à tout le monde, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de 2018, donc le spectacle pyrotechnique. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas d'aller mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, oui, effectivement, donc bonne année, bonne santé, hein. On espère toujours que la nouvelle année sera meilleure que la précédente. Que vous réussirez, vous amènerez à bien tous vos petits projets, bien évidemment. Alors. Il y aura une lune par là-bas. Ok, alors celle-là, soit elle est en dessous, soit elle est dans une caisse. On dirait pas, hein. Je pense qu'elle doit être en dessous. Où est-elle? Celle-là, c'est celle que j'ai faite. J'y suis pas du tout en fait. Attendez, on va une fois prendre déjà les petites pièces là qu'on voit. Ah, attendez, il y a un truc qui brille là. Ah mais celle-là je l'avais déjà cherché celle-là. Qui a la Switch? Bon, moi je pense pas que j'ai besoin de répondre. Hein.
Alors, où est cette lune? Où est-ce qu'elle est celle-là? Ok, bon, c'est celle-là. Alors, attendez. Si c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est la numéro 3. Donc, si c'est la numéro 3, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici. Défi chrono pays des chapeaux. Lancer Capi sur l'éventail au pied du pont, parfois pour déclencher le premier défi chrono. Ah! Il y a un éventail? Il est où ton éventail? Il n'y a pas d'éventail là, Zinc! Où est-ce qu'il est ton éventail? Lancer Capi sur l'épouvantail au pied du pont, parfois pour déclencher le premier défi chronométré. Mario ne pourra pas compter sur Capi dans cette course. Tu as combien de lunes au pays des chapeaux? Bah là, je suis en train de toutes les faire. Tu vois, il m'en manque 2, 3. 3. Il m'en manque 3. Tout simplement. Mais là, je trouve. J'essaie de chercher un éventail. Un épouvantail, mais je le trouve pas en fait. Où est-ce qu'il est cet éventail, mec? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez voir. Si je retourne ici. D'accord qu'on est là, on est là. Donc, ah non, c'est la 17, mais what the fuck? Ils me disent que c'est la 17, alors attendez voir. Hein? Illustration du pays des chapeaux. Là, je vous avoue que je ne comprends pas. Il est quasiment dans le vide, près du pont. Ah, d'accord. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut que je tombe vraiment par hasard dessus, parce qu'en vrai... Attends, vous savez quoi? On va s'aider du Paragoomba. Je le vois pas. Mais il est où? Quasiment dans le vide. Ah mais mec. Ah attendez, j'ai pas vu un truc là? Ah non. Ah celui-là je le trouve pas. Monsieur Goomba, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? D'accord. Là, je sais pas.
Je sais pas du tout où il est ce truc. Non, c'est pas ça. Mais ils me disent que c'est la 03. Bah oui, mais c'est ça, c'est la 03. Lancer Capi sur l'épouvantail au pied du pont. Au pied du pont. Aïe. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas des... Il n'y a pas d'épouvantail, hein. Mais où est-ce qu'il est ? Le mec ! Ah non, la dernière lune qui va me faire chier, tu sais. Ah non, bah déconne pas, mec. Il est au pied de l'autre pont. Au pied de l'autre pont. Ah, comme tu le vois, j'y vais, mais... Anybody suggestions? Mada Trucker? Ah bah là, je vous avoue que je suis complètement perdu. Il y a un épouvantail ici, ok, mais ça c'est pour activer le truc d'ici, là, pour récupérer la clé. Mais on l'a déjà fait ça. Mais là, il y aura un épouvantail. L'épouvantail est au pied de l'autre pont. Bah... Oui, ok, mais... Je suis allé à l'autre pont, mais y a rien. Là, voilà, je suis en plein dessus, là. Ah, y a rien. Ah, mais c'est quoi ce bordel, les boys? Help me. Ah, mais attendez, y en a un là-bas, d'épouvantail. What the fuck? C'est celui-là, en fait. Ah ah ah, mais tu te fais chier, putain, mec. Ah non. Non, 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 c'est bon. Oh, putain. Ah, la galère, les mecs. Putain, en plus, j'étais passé à côté, mais j'ai même pas fait gaffe, quoi. Sans déconner. Ah oui, mais en fait, le truc, il indique... Non, attends. Tu vas pas me dire quand même que... dix-sept. Ah, donc ça c'est autre chose. Ça c'est celui-là qu'on veut faire en fait. L'illustration indice apparaît sur le côté du pont, parfois sur la place centrale, une fois dans la ville libérée. Prenez une photo et étudiez l'image, le ciel noir. Et le cercle bleu devrait vous faire comprendre qu'il est question du pays de la lune. Partez au pays de la lune avec l'Odyssée et approchez des 8 personnages alignés. Mettez-vous derrière eux, là où les motifs de leur tenue correspondent à ceux de l'image. Faites une charge au sol, derrière le deuxième à partir de la gauche pour trouver la lune. Ok.
Ah, c'est parti alors. T'inquiète pas, Happy, j'ai trouvé. Allez, on met déjà tout ça là-dedans. Et on passe de 296 à 339 lunes sur les 999. On doit aller au pays de la lune. On va y aller, mais on revient tout de suite ici après. Hein. Voilà. Nous arrivâmes. Ça va, on a une heure de stream et on a déjà quasiment fini le pays des chapeaux, c'est cool. Alors. Hein? Ici aussi, la roche lunaire émet de la lumière, on ferait mieux d'aller voir. Ça, ce sera pour plus tard, les boys, ce sera certainement vers la fin. Voilà, donc c'est ici le bordel. Alors. Il y a quelque chose qui brille là. Tu sais, il y a un Captain Toad. Salut! Tu as battu Bowser! Comme d'habitude, tu me diras, mais quand même chapeau. Moi non plus, je ne suis pas resté les bras croisés. Regarde, j'ai trouvé une lune pour toi. Bon, on va le récupérer la lune, hein, si déjà. Alors. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Alors. Approchez des 8 personnages alignés, mettez-vous derrière eux. Là où les motifs de leur tenue correspondent à ceux de l'image. Alors. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, effectivement, c'est ça. Ok, là je suis aligné. Faites une charge au sol derrière le deuxième à partir de la gauche pour trouver la lune. D'accord. Tout simplement. Alors là, la manette, je vous le dis, elle ne vibrait pas. Donc il fallait tout simplement... voilà. Ah, oh, c'est ouf. Allez, du coup, on se barre. Bon, on a deux petites lunes. Voilà. Encore. Voilà, allons-y. J'ai fini le jeu. GG à toi, Icelog. Complètement gros GG à toi. Alors, on va revenir là-dessus. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez que la fois prochaine, le prochain stream, je fais le jeu avec la cam. Ou pas. Mais il faut savoir un truc, c'est que si je mets la cam, je ne pourrais pas faire le jeu en 60 fps. Donc, il faut le savoir. Non, c'était là. Voilà. Ok, donc il reste encore une lune à trouver. Donc c'est l'indice de Toad. Et... Ok, donc ça vient des trucs des 1 là. Et il reste encore une lune à trouver. Qui est la 16e, apparemment. Ah, la 16e, c'est... Il faut en acheter une, ok. Bon allez, on va faire celle qui est là-haut. Je pense qu'elle est tout en haut de la tour Chapi, enfin de la tour Chapi Tower, je sais pas quoi là. Ah, pas certain, va falloir prendre une grenouille ou un truc dans le genre. Mais attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter là-haut déjà pour commencer. Ah bah ça en cas malheur, car la qualité avant la quantité. Mais là c'était pas une question de quantité, c'est une question de qualité tout court. Mais après c'est voilà, c'est à vous de voir. Hein, si... De toute façon je ne veux pas me baser sur une seule personne non plus. Il faut le savoir. J'attends de voir. Ah mais c'est Captain Toad qui a trouvé une lune. Je suis monté jusqu'ici pour voir cette énorme lune de plus près. À propos de lune, j'en ai trouvé une sur la route. Tiens, elle est pour toi. Ta-da, ta-ta-ta-ta. Ah, trop fort. Oui. Ok. Et là maintenant, il faut qu'on aille là-bas. Et il faudrait qu'on arrive à choper encore quelques petites pièces. Pas grand-chose, on va pouvoir les avoir, je pense. Ici, il n'y en a pas. Là, j'ai réussi à en choper une.
Là, j'en ai pas eu. Est-ce que si je fais ça? Non, là, il n'y a pas de lune. Enfin, de pièces. Là, il y en a 80. Ok, ça c'est bon. Moi, je dis, en faisant ça, ça fait apparaître une lune cachée. Mais je suis pas sûr. J'en ai une autre là. Ok, donc ça compte comme des pièces. Ok. Donc il suffit juste que je récupère encore quelques petites pièces là. Où est-ce que je peux choper encore des petites pièces? Bah là. Voilà! Nickel! Voilà, c'est parfait. Et donc là, on va voir lui là. C'est lui qu'il faut que je parle. Voilà. Et on va acheter la dernière lune. Normalement, c'est la dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, avec la cam. Ok, donc il y en a un qui est non avec la cam et un autre avec la cam. Ok. Bah écoutez. Ok, bah apparemment on a trouvé toutes les lunes. Ah non, quoique, il en manque encore, hein. C'est la 16e. Sauf que la 16e. Je crois qu'il va falloir qu'on aille jouer au casino. Ah non, c'est Peach au pays des chapeaux. Retourne à la place centrale après avoir vaincu Bowser et continuez vers le nord jusqu'à dominer l'endroit où poussent les quatre fleurs. La princesse Peach et Tiara se trouvent sur la colline. D'accord. Ok. Là-bas est censé y avoir la princesse Peach. Perso, je n'ai pas vu Peach, moi, en tout cas. Hein. Bah, où est Peach? Bah, y a pas de Peach là. Vous êtes d'accord qu'on a battu Bowser, alors pourquoi elle est pas là? Qu'est-ce que c'est que ce sornette? Attendez voir. 16. Retourne à la place centrale après avoir vaincu Bowser. Ah, les quatre fleurs. Ah non, les quatre fleurs. Ok, c'est bon, je sais où elle est. Là où poussent les quatre petites fleurs. Il faut qu'on aille vers le nord. Voilà, en plus on a la boussole, donc c'est cool. Elle est censée être là-bas. Non, elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas là? 16. La princesse Peach et Tiara se trouvent sur la colline. Parlez-lui pour recevoir une lune. Mais what the fuck? Tu peux me dire la 17 STP. Alors la 17 c'est l'illustration indice apparaît sur le côté du pont, parfois sur la place centrale, une fois dans la ville libérée. Prenez une photo et étudiez l'image. Le ciel noir et le cercle bleu devraient vous faire comprendre qu'il est question du pays de la lune. Partez au pays de la lune avec l'Odyssée et approchez-vous des 8 personnages alignés. Mettez-vous derrière eux, là où les motifs de leur tenue correspondent à ceux de l'image. Faites une charge au sol derrière la deuxième à partir de la gauche pour trouver la lune. Bah, je l'ai fait juste avant en fait. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas Peach en fait. Il est censé y avoir Peach ici là. Et pourtant, on a vaincu Bowser. Hein.
On a vaincu Bowser, donc je sais pas où elle est. Peut-être qu'elle est pas là alors. Pourquoi Peach n'est pas là en fait? Mais pourquoi Peach n'est pas là? Il me manque une lune! Il devrait y avoir Peach et Tiara là ici là sur ce petit pont là. Pourquoi elle y est pas? Putain, c'est débile. Retourne à la place centrale pour l'avoir vécu Bowser et continue vers le nord jusqu'à dominer l'endroit où poussent les quatre fleurs. Bah oui, mais j'y suis là. Attendez voir. Je crois que Peach apparaît que si tu parles à un toad devant le château du royaume champignon. Ah ouais? On va aller voir ça alors. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est lui là? Peut-être qu'il faut que je mette les lunes dedans, non? Parce qu'il te dit que Peach est reparti. Si tu veux gagner beaucoup de pièces pour acheter la tenue à 9999 pièces, va dans les loteries qu'il y a au Pays des Sables, à New Donk City, au Pays de la Cuisine. Oui, je sais, je sais, je sais. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire juste après pour finalement... acheter des indices, hein, dans les prochains pays. Et par contre... Je sais pas comment faire apparaître Peach, parce que Bowser on l'a battu. On l'a battu puisque de toute façon on pourrait pas avoir accès au cube là qui nous stressait depuis le début du jeu. Là. Est-ce que vous croyez qu'il faut que j'allume toutes les lampes? Peut-être qu'elle a peur alors elle vient pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Hein. Elle est censée être là, mais elle n'y est pas. Alors que le jeu, je l'ai fini. Ça fait forcément quelque chose, ça. Le toad est au royaume champignon? Ah, d'accord. Ok. Bon, on va aller voir au royaume champignon. Non, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Pas du tout ce que je voulais faire. Bon bah on va aller au royaume champignon alors. C'est parti. On va aller voir Toad au royaume champignon. Merci à toi Mathieu, on va y aller. Konajine. Chetaizu. Hada. Et nous allons terminer à 100% ce saloperie de pays. Vous allez voir les boys. J'en ai rien à cirer. Mais regarde les coms aussi. Oui, je lis les coms, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ouh là là. Royaume champi. Tiens, c'est lui là, non? Salut, en ce moment, c'est la folie des chapeaux au royaume champignon. La princesse Peach en a ramené plein dans ses bagages. Je crois que c'est bon, non? Là, je crois que c'est bon, non? Ça a dû la faire apparaître, ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, ils le disent pas, ça aussi. Elle se trouve d'abord au pays des nuages, et après, elle te dit, avec des indices, son prochain pays. Ah. Mystère et boule de gomme. Ouais, mais sauf que en fait, dans le guide collector, ils le disent pas ça.
On dirait qu'elle y a toujours pas. Ah effectivement, hein, elle doit pas y être à chaque fois en fait. Hein. Ah. Le taux d'élevant le château. Oh fuck. Ah les mecs, précisez dès le début parce que sinon on va jamais y arriver en fait. Bon bah on retourne au royaume champignon et j'y resterai tant que j'aurai tous les indices. Et défense de prendre des lunes. Sauf si elles sont gratuites. Aïe 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 aïe. Bon bah on y retourne. On y retourne. Ouais, la princesse Peach en a ramené plein dans ses bagages. Ok. Ça c'est celui-là qui nous a donné, hein. Alors allons au château, hein. T'es qui toi? Bah, la princesse Peach a de nouveau disparu. Oh non. À la fois que je l'ai vue, elle avait une grosse valise et un grand sourire. Depuis, je ne sais pas où elle est partie. Bon, on va. Oh, ça a dû activer la quête, ça. Je découvre le pays des. Mais où est donc passée la princesse Peach? Bon, d'accord. Go, pays des nuages. Attends, la dernière fois que je l'ai vu, quoi? Mais ça fait chier si je dois aller changer. Bon, on va aller au pays des nuages et puis on va voir si elle est là-bas. Non! Bah écoutez, bah si vous dites qu'elle est au pays des nuages, on va y aller, hein. Go alors. Oh. Où est la princesse Peach? Ah, elle est là-bas. Mais oui, qu'elle est là. Bravo Happy, merci à toi. Oh Mario, je suis contente de voir que tu continues à voyager. Tiara et moi avons décidé de faire le tour du monde. Et cette fois, c'est nous qui décidons du programme. On peut profiter à notre guise de la beauté des paysages. La vue est vraiment superbe d'ici, j'ai l'impression d'avoir le monde entier sous les yeux. Cet endroit ressemble à un oreiller, l'endroit parfait pour une petite sieste. J'ai trouvé une lune tout à l'heure, je crois que tu en as fait la collection, non? Tiens, je te la donne. Alors, je savais pas que Peach était aussi petite, mais... Écoutez, pourquoi pas. Ah, Tiara, elle est tellement mignonne. Puisqu'on a la chance de pouvoir voyager, ce serait dommage de ne pas en profiter pour aller visiter le pays de Tiara. Ah, bah voilà! Sartek, la réussite, les boys! Bah, encore une fois, merci à toi, Happy. Because I'm happy! Oh, shit! Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Ah putain, clap along if you feel like happiness is the truth. Bon bah on peut retourner au pays des chapeaux, comme ça on le claim celui-là. Tu vas pas me croire, mais je l'ai trouvé par hasard, Ender. Ah, trop fort. Trop fort. Mais Lazare est toujours plus kiffant que quand tu t'aides d'un guide ou d'un d'une astuce finalement, parce que sinon t'as plus de plaisir. Mais bon, vous savez bien que moi je ne peux pas résister à l'envie d'acheter des guides collector pour trouver un maximum de contenu dans une vidéo finalement. Hein. Enfin, proposer un maximum de contenu finalement. Donc du coup voilà. Allez, maintenant, normalement, Peach est censé être là-bas. Sur le pont.
Allez, vas-y. Oui, regardez-les là-bas. C'est bon. Voilà, enfin. Tu as vu? Tu as vu ça? Ici, c'est ici, chez Tiara, les gens circulent dans des vaisseaux en forme de chapeau. Cette terrasse est d'un de mes coins préférés. Quelqu'un m'a donné une lune tout à l'heure. Tiens, utilise-la pour continuer ton voyage. Yeah, merci Peach. Ah, ça c'est cool. Il paraît que les dinosaures adorent prendre les bains de soleil. Je me demande si c'est vrai. Bon bah là, on sait où elle va. Hein. Elle va aller dans le pays des... le pays des chutes. Et donc, normalement, si je vais ici, on a toutes les lunes. Tac, 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 tac. Et voilà. On a 31 sur 31 lunes, c'est cool. Il nous reste plus qu'à trouver les petits chapeaux violets, là. Par contre, ceux-là, je ne sais pas où ils sont. Donc, du coup, on va regarder où est-ce qu'on peut les trouver. Alors, normalement, j'ai aussi un truc dans le guide collector pour m'aider à les trouver. Voilà. Alors, on va déjà commencer par le fond. Et surtout commencer par le commencement. Tu me plais bien. Allez, plus un labo. Merci à toi, Happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Alors, ceux-là, on les a trouvés. Je crois qu'il y en a aussi là. Ok, donc ceux-là, ils sont faits. Il y en aurait trois qui seraient là-bas. Tac, 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 tac. Oh, on va chercher encore les trois petites pièces là. Ok, donc celles-là on les avait prises, donc ça c'est bon. Il y en aurait quatre par là. Je les ai prises. Donc du coup c'est bon. Il y en aurait quatre ici. Donc ça c'est ceux qui sont en dessous le pont. Il y en aurait quatre là-haut. Enfin, là en dessous, là. Ah bah, je les ai pris. Donc, c'est cool. Donc, fait, 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 fait. C'est bon. Oh putain, là-dedans, il y en a 9. Ok. Alors, je crois que je sais où je les ai loupés, en fait. Hop, on va aller par là-bas. Pourquoi il m'indique la place centrale ici? Ok. Ceux-là là-haut, on les a fait. Il y en aurait 4 là en bas. Est-ce qu'on les a récupérés, ceux qui sont là-dedans? Je me demande. On n'a plus rien à trouver ici. Ouais, les 4 là-haut, on les a pris, c'est bon. Donc c'est claim. Donc fait, 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 fait. 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 Il reste 3 ici. Sauf que ces 3 là, moi je sais pas trop où ils sont. Hein. Peut-être dans une... c'est où exactement? Ce serait... plus vers le haut. Arcanite, ça fait un bail. Ah oui, effectivement, Dylan, ça fait un bail. C'est quoi le but du jeu concrètement? Bah concrètement, c'est de faire l'histoire principale. Mais l'histoire principale, je l'ai déjà faite. Donc du coup, je t'invite à aller voir le let's play carrément. Un let's play qui envoie quand même du lourd au niveau des cinématiques. Donc franchement, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'œil. Mais stop ces jeux de mots. Qui a osé te mettre un dislike? Certainement un mec qui fait partie du clan des Jihad. Je sais pas, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Il y aurait un petit chapeau. Alors, des petits chapeaux violets encore qui restent. Le problème, c'est que. Je pense que j'ai déjà dû les prendre. Hein.
Bon, manque. Non. Bah, il reste plus grand chose. Je pense qu'alors il faut qu'on aille dans la tour. Dans la tour, faut aller dans la tour. Dans la tour, je crois que je les ai pas tous récupérés. Hop! Salut Zayo! Je veux rentrer là-dedans, voilà, pas m'accrocher. Allez, nous y sommes presque, les boys! Donc là-haut, il est censé. Enfin, par là, en tout cas, il est censé y avoir des trucs. Ah, regardez, là-haut, j'en ai déjà deux. Le problème, c'est comment y aller. Ah, j'ai vu un truc là. Voilà. Il me faudrait une grenouille. On va chercher la grenouille. Et là, petit moment de nostalgie les boys. Rappelez-vous. Ouais. Tac 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 tac. Hop là. Ok, déjà il y en a 4 ici. Il nous en manque encore 5. Ça veut dire qu'au final, je les ai quasiment tous trouvés. Ah, il y en a. Attendez. Il y en a 4 ou 5 là-haut. Faut aller là-haut, vite. Ah oh, yes, ils sont là les derniers. Yes, on a fini de payer les chapeaux. Allez, écoutez la musique. Yes, on les a tous trouvés, putain, c'est de la bombe. Maintenant, je peux aller acheter le dernier stickers et ce sera un pays fait à 100%. Tombons dans les anneaux. Ah yes. A mon avis c'est Zayo 95 je crois. Ah. Ok bon, toujours le même à ce que je vois. Du coup. Bah du coup c'est fait. Y a plus rien à faire hein, finalement dans le monde. Donc on va vite aller acheter le dernier petit sticker, là pour le vaisseau. Voilà, et c'était ça. Nickel! Bon, alors Lepma, maintenant j'ai besoin de savoir un truc. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous avez repris les cours? Je ne sais pas, il me semble pas, hein. Je crois que c'est encore les vacances, je crois que vous reprenez normalement le 9. Mais dites-moi dans le chat si vous êtes toujours en vacances ou pas. Comme ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause d'une demi-heure, histoire que la Switch refroidisse un petit peu. Et ensuite, je vais redémarrer un autre stream pour commencer le pays des chutes. C'est-à-dire qu'en fait, le stream va reprendre d'ici une demi-heure, quoi. Parce que là, nous avons fini et j'ai pas envie d'enchaîner sur un autre pays. Tout de suite pour que ça fasse un épisode complet quoi, vraiment 100%. Tu joues encore à Zelda Breath of the Wild? Oui mais évidemment que j'y joue encore, je n'ai pas encore terminé le DLC numéro 2. Je vais reprendre certainement les épisodes là très bientôt. Le let's play sur Call of Duty World War 2 est terminé, j'ai tourné l'épisode juste avant de lancer le stream. Un épisode très très émouvant d'ailleurs, qui sera disponible demain normalement. Donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous êtes en vacances. Si je vois qu'il y a trop de gens qui sont pas en vacances, qui doivent aller en cours demain, bah écoutez, finalement, je ne lancerai pas de stream. Mais normalement, les cours reprennent, je crois, le 9, donc c'est-à-dire lundi prochain. Donc là, je pourrais normalement reprendre un stream juste après dans une demi-heure. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour que je relance un stream juste après. L'épisode numéro 24, n'est-ce pas? Comme ça, on commencera le pays des chutes. Moi, je vais juste laisser refroidir la Switch. Parce que vous savez que moi je suis extrêmement soigné avec mes affaires et je n'ai pas envie qu'elles surchauffent. Donc du coup, on va faire attention et on va faire une petite pause. Si vous voyez que je ne viens pas dans une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est normal. C'est parce que j'aurais pris un petit peu plus de temps pour revenir, c'est tout. Parce qu'il faut aussi que je m'occupe de mon feu de cheminée parce qu'il fait quand même assez froid. Donc du coup voilà, c'est pas que j'habite dans une grande maison, mais quand même. Voilà. Donc du coup voilà. Je n'ai plus rien d'autre à dire si ce n'est que merci à tous d'avoir participé au stream. Il aurait été bien sympa, il y en aura un autre juste après apparemment, puisque je vois qu'il y a des gens qui sont en vacances, donc ça fait plaisir. Tu as la PS3, j'avais la PS3 malheureusement je l'ai défoncée parce qu'elle m'a fait une sacrée couille, donc
Non, je n'ai pas la PS3, mais je l'avais, donc j'ai la PS4 Pro par contre, j'ai la Wii U, j'ai la Xbox One, j'ai la Xbox One X, donc ça fait que j'ai carrément les deux consoles, tu sais. J'ai la Nintendo Switch, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la New 3DS XL, nacrée en bleu, enfin bref, j'ai tout ce que tu veux, quoi, c'est complètement craqué, quoi. Bref, sur ce, les boys, j'espère que ce petit stream d'1h30 vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant le petit pouce bleu des familles, bien évidemment, qui fait super plaisir. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure, trois quarts d'heure, voire peut-être même 1 heure, pour continuer notre aventure, la conquête des lunes sur Super Mario Odyssey, et on enchaînera donc finalement sur le pays des chutes. Voilà. Super Saiyan God Freezer. Ok, bah je ne sais pas. Ah oui, le code ami. Le code ami. Le code ami, bah le code ami finalement, il est normalement ici. Voilà. SW 4 4 4 1 9 3 0 9 9 5 0 8. Voilà, t'as le code complet là, tu peux carrément t'éclater, c'est ça qui est cool. Donc voilà, bah écoutez, sur ce les boys, je vais vous laisser là. Et puis encore une fois, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, ciao tout le monde, c'était Knight, et on se retrouve pour le next épisode dans à peu près 1 heure. Allez, ciao tout le monde.